Yo la team, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va ouvrir les objets Wish qu'on avait commandé dans la vidéo il y a un mois je crois à peu près. Donc voilà, la légende Wish livre en un mois, c'est vraiment ça, je crois que j'ai reçu vraiment en 4 ou 5 semaines environ. Et j'ai reçu mes 5 colis, bon il y en a un qui est pas emballé parce que mon chat l'a ouvert, peiné là. Il a ouvert mon colis, donc bah je sais ce que c'est du coup. Et voilà, donc... Tu la fermes, ok? Donc les amis, si vous n'avez pas vu la vidéo Wish où je commande les objets, je vous invite à aller la regarder. Le lien se trouve là ou là, enfin, je sais plus quel côté c'est sur YouTube, je sais plus du tout. Donc vous aurez le lien dans l'angle en haut à droite ou en haut à gauche. Avant de commencer la vidéo, l'ouverture, on va regarder ce qu'on avait commandé. Donc on prend le téléphone, on va regarder sur Wish la commande que j'avais passée. Donc je l'ai trouvée et... C'est de la merde parce qu'ils disent que j'ai rien reçu. Va savoir, donc je vais me faire rembourser je crois. Parce que là, c'est inadmissible. On avait commandé, souvenez-vous, des aiguilles pour déboucher les bus des imprimantes 3D. On avait aussi commandé du filament ABS. Je sais pas où il est le filament, mais bon c'est pas grave, je vais vous montrer les paquets après. On avait aussi commandé des LED blanches, je crois si je dis pas de conneries, 1 mètre. Et ensuite on avait commandé un briquet électrique rechargeable par USB. Ensuite on avait commandé un laser vert. Donc vous souvenez-vous, pour ceux qui ont regardé la vidéo, j'avais dit qu'avec laser vert sur l'image, ils allument une allumette avec. Donc j'ai préparé des allumettes et si j'arrive pas à allumer une allumette, je porte plainte. Au moins c'est clair. Donc voilà, ça fait 5 objets et les objets sont là, ils sont là les objets. Je m'inquiète d'ouvrir tout ça pour voir si Wish ben, livre les bons trucs ou pas. Donc voilà. Ah, je sens du filament dans celui-là. Allez, let's go les amis pour choisir. Je vais envoyer en l'air et celui qui ratterrira dans mes mains, ben sera lui qu'on ouvrira. Voilà, point final. Voilà, on a chopé lui. Donc packaging. Le papier bulle, pochette bulle. Voilà. Et franchement... Je sais pas ce que ça peut être du tout. Dites-moi dans les commentaires les amis si vous devinez ce que c'est. Donc ben là c'est écrit ben, rien du tout sur le bordel. Je sais pas. Peut-être que vous allez deviner. Donc essayez de deviner et vous allez voir à la suite de la vidéo ce que c'est. Je vous laisse 2 secondes. C'est fini, j'espère que vous avez trouvé parce que je vous laisse pas plus. Hein. Donc on va tout de suite passer à l'ouverture. Ça s'ouvre pas. On va ouvrir délicatement. Tout ça. Bizarre, regardez ce qu'il y a dedans. Oh, c'est... Ah, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, donc on va ouvrir. Déjà, c'est vraiment bien emballé, mais ça fait un peu flipper dans ce que c'est en fait. Mais en fait, pas ça avec les dents si vous n'avez pas des dents solides. Moi, j'ai des dents solides. Voilà. Là. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est. Les LED, mais il n'y a pas 1 mètre du tout là. Regardez, il y a combien? Il y a 50 cm là, non? Et même pas, il y a 10 cm. Putain, c'est du foutage de gueule ça. Sérieux, regardez. Ah non, il y a 1 mètre. Alors déjà, l'avantage, c'est que ça se branche en USB. Et il y a un petit bouton. Il y a un petit bouton là, pour allumer. Et ça se branche en USB, donc vraiment pas mal. Donc on a 1 mètre. Qu'on va pouvoir coller sur le mur. Cet objet, on en aura l'utilité. On le met de côté. Maintenant les amis, on va passer ben, au colis que ma chatte m'a ouvert. Hein, tu m'as ouvert le colis à ma place. Tu m'as ouvert le colis à ma place. Elle a peur la pauvre. C'est une blague. Donc voilà, donc c'est les aiguilles pour les bus. Donc vraiment. Et franchement, je me demande si ça débouche ça. C'est vraiment fin. Je sais pas si ça débouche. Ouais, ça plante bien, on peut se planter un doigt, je pense. Donc au bout, un petit ressort, je sais pas pourquoi. Et voilà, donc ça c'est vraiment rien de spécial. C'était pour moi en fait, au final. Donc voilà, on en a 10 je crois, ou 5, 10, 5. On en a 5. Utilité. Merci Wish. Je crois que ça coûtait 1€, c'était gratuit, je sais plus. On reprend nos colis, il en reste 3. Et on va lancer en l'air, et celui que je rattrape, on l'ouvre. J'en ai rattrapé 0. On relance. Là les amis, j'ai rattrapé celui-là. C'est pas du tout ce que c'est, donc
A priori, je pense que c'est le laser, mais je suis pas sûr, parce que c'est un bâtonnet. Hein. À part si c'est... ils m'ont donné un bout de plastique, je sais pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné ce que c'est. Et moi, personnellement, je pense que c'est ça. Donc, on l'ouvre. Tala, tala, tala. C'est le laser. Packaging, ça va encore, ça laisse à désirer, mais bon, on va pas se plaindre. Hein, c'est Wish qui a envoyé ça. Hein. Donc voilà, le laser, vraiment stylé. Déjà, il fonctionne pas. Je voulais faire le test de la... Y'a pas de pile. Il faut quoi comme pile, là? Je sais ce qu'il faut, il faut des petites piles de télécommande. Je reviens. Donc les amis, j'ai mis les piles dans le laser et il marche très très bien. Regardez, je vais vous montrer sur le mur derrière. Donc voilà, là il marche bien. Donc bon, avec la lumière, voilà quoi. Mais sinon, nickel. Et voilà. Donc on va prendre les allumettes comme sur l'image et on va essayer d'allumer une allumette avec ce laser. Même si j'y crois pas trop, mais bon, on va essayer ça. Plus tard. A few moments later. Bon les amis, ça marche pas. Oui, c'est des mythos. Des gros mythos, oui. Tout les amis, il nous reste deux petits objets. Donc on va en faire comme d'habitude, on le lance et celui que je rattrape, on l'ouvre. Voilà, il m'est tombé dans les mains. Je sais pas du tout ce que c'est. Déjà, ça a été emballé comme de la merde pour commencer. À part si ma mère l'avait ouvert, je sais pas. Donc là. Ben, je pense que c'est le filament, c'est à peu près rond. On va de suite ouvrir ça et voir ce que c'est. Ouais, c'est le filament vert. J'ai pris, je sais pas si j'ai pris vert. Voilà, il est vert, ABS, je crois que c'est. Je peux vous le faire gagner si vous voulez. Pourquoi pas. Donc à la fin de la vidéo, il y aura un petit concours. Donc quittez pas la vidéo avant l'heure, hein, c'est un peu con. Filament que j'utiliserai pas, je vous le ferai gagner. Je vous ferai gagner le laser et le filament. Allez, voilà, c'est cadeau. C'est la maison qui offre. Hop, on s'en fout, on s'en bat les couilles. Et le dernier les amis, c'est bah, le briquet électrique. Donc voilà, packaging bah, d'indie chinois. C'est vraiment un truc chinois, donc on va l'ouvrir et on va tester ça tout de suite. En espérant qu'il y ait un peu de batterie, pour voir si ça fonctionne ou pas. Et on a, regarde, on a le petit USB là, qui est en serpentin. Et est-ce que ça fonctionne déjà? Oh, ça, oh, il marche bien, oh. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Donc ça marche très bien et c'est vraiment pas mal du tout. Donc la batterie est pleine je crois. Quand c'est bleu c'est que la batterie est pleine. Je sais pas, on va le brancher à l'ordi pour voir. Mon ordi va exploser en le mettant. Je peux même pas rentrer le USB. Le USB ne veut pas se rentrer. Ah. C'est bleu. Non, on va le laisser. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc pour le concours, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo et je tirerai au sort. On fait pas un concours Twitter parce qu'il y en a, ils ont pas Twitter. On fait un concours Snapchat, on se casse pas les cacahuètes. On fait un concours YouTube. Donc petit commentaire dans les commentaires. Et mettez je voudrais le cadeau. Et voilà. Et vous aurez soit le filament, soit le. C'était quoi déjà? Le laser. Donc je choisirai deux personnes au hasard et une personne aura un des deux au hasard. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Anto. Peace.